Finger licking. Ok, Natch, pourquoi pas. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec NT00 pour une nouvelle vidéo Minecraft. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais commencer avec vous une aventure suivie. On va l'appeler LOL's Venture. Tout en caps. Non, pas tout en caps. LOL's Venture. Tout d'abord, je voudrais dire que je viens de voir que sur ma chaîne YouTube, j'ai dépassé les 10 000 vues, toutes vidéos ajoutées, donc je voudrais vous dire merci à tous mes abonnés, il y en a une quarantaine, je crois, pour l'instant. Donc 10 000, ce qui est un chiffre rond, un super chiffre. Et donc je voulais rajouter un mot à tous ceux qui ont visionné mes vidéos, et merci beaucoup, ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas, regardez mes anciennes vidéos. Et donc voilà, aventure suivie, mes débuts en aventure suivie, je vais essayer de faire une aventure toute simple, pour revenir aux bases de Minecraft, et une aventure diversifiée. C'est-à-dire que, au passage, j'en profite pas en peaceful, on peut essayer en normal, pourquoi pas. Et donc une aventure diversifiée dans laquelle je vais faire de la survie, de la construction, du minage. Bon, je vais essayer de vous soulager, de ne pas vous mettre du minage optimisé à longueur de journée. Pourquoi pas un petit peu de design intérieur aussi. Tout est permis. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Peut-être un peu d'agriculture aussi, bon, je suis nul à ça. La redstone c'est pareil, pourquoi pas essayer, mais bon, j'ai jamais été un expert de redstone. La map est sympathique. Puisque j'ai de la mer à proximité. Une caverne ici. Et ici, oh, une petite plage avec une grotte. Pas mal, pas mal. Je vais essayer de me faire un abri provisoire pour l'instant. Ou ça, on n'a qu'à dire ici sur la colline. Je réduis un peu la visibilité pour la fluidité du jeu. Alors, tout d'abord. Oui, j'ai changé de skin, vous remarquez. N'importe quoi, je fais n'importe quoi. Voilà, ça c'est ça, de plus trop faire du Minecraft, de plus trop faire de la survie, on perd les bases. Hop, une crafting table. Oh là là, ça lag. Excusez les piètres performances de mon PC ces temps-ci. Alors, on peut se faire plein de bois. Avec ça, on va se faire n'importe quoi. Des sticks pour se faire une pioche en bois qui ne va pas servir pendant longtemps. Juste le temps d'aller me faire une pioche en fer. En pierre, excusez-moi, il est un petit peu 1h23 du matin quand je commence cette aventure suivie. Donc je dis des conneries. C'est la vie. Bon. Pour l'instant, ça ira. Alors, on va faire une pioche en bois. On va se refaire des sticks. Et on va se faire une hache pour prendre du bois. Et comme ça, on a préparé, parce qu'une pelle, j'en ai pas besoin. Pour l'instant. Hop, 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 on coupe du bois. C'est la petite maison dans la prairie. On va couper le bois pour construire la petite maison. Ça ira pour le moment. Je propose de tout transformer. Voilà. Et d'aller chercher un peu plus de cobble parce que... Oula mon dieu. Ah ! J'aimerais faire une petite maison provisoire, un abri provisoire, et qu'il soit un minimum esthétique,
et il faudrait que j'arrive à le faire avant la tombée de la nuit. Sinon ça va pas le faire vu que je ne joue pas en peaceful. Dans l'idéal, s'il y avait un peu de charbon aussi, mais j'y crois pas trop. Non, pas de charbon. Là-bas, non plus. Oh, du charbon. Et voilà, ça c'est la chance du débutant. Bon, je débute pas trop non plus à Minecraft. Bon. Choc, choc, choc. Comme ça, je vais pouvoir éclairer ma maison. Mon abri. Voilà. Je vais faire un abri très provisoire et très petit, hein, je vous le dis. Mince, c'est là qu'il aurait fa... il aurait fallu construire une pelle. Je vais le faire, ça. Ça coûte rien une pelle. Oui, désolé si c'est pas très très dynamique, parce que c'est quand même le tout début de l'aventure, il faut bien un début. Donc, oui, je vais creuser tout ça. Pourquoi je fais ça? Je me le demande. C'est pas un bon plan, en fait. Je vais tout simplement... J'ai pas trop le temps de faire autre chose, en fait. Je vais tout simplement faire... le bas en cobble. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais la faire dans ce sens-là. Elle sera tout sauf jolie, hein, mais bon. Je manque de cobble. Là, j'arrivais à finir ma maison avant la nuit. Oui, parce que le stress de Minecraft en mode solo quand on n'est pas en peaceful, c'est l'arrivée de la nuit quand on n'est pas en sécurité. La peur du creeper, la peur des mobs en tout genre. Alors... Ouais, c'est pas trop mal. Ma maison, je vais pas la faire ni en bouse ni en cobble, ce serait très très moche. Je vais essayer d'avoir un minimum de d'esthétisme. Hop. Au moins ça. Mince, je fais les comptes, voilà. Je vais être obligé de faire les 4 points. Voilà. Je vais la fermer de façon absolument moche. Voilà pour lui. Maintenant, je fais... mince. Il faut plus de bois. Avec ça, je me fais un minimum de torches. Ah là là, ça me rappelle les souvenirs de commencer une partie comme ça. À l'époque où je découvrais Minecraft, et que j'étais ni inscrit sur un serveur multi, ni... je faisais pas de tuto vidéo ni rien, c'était purement du Minecraft. Allez, laisse-moi de la laine. Radin. Et maintenant que j'ai du bois, je peux me faire
pense. Je peux me faire des portes. C'est à l'extérieur si je me souviens bien. Hop. Je peux placer mes torches. Et voilà, c'est pas fermé tout ça. Et voilà, mon abri est prêt. Il est tout moche, mais il est prêt. Donc, ce que je propose, c'est de réaugmenter le brouillard de guerre pour regarder l'état du soleil. Le soleil, le soleil, le soleil. Mais où est le soleil? J'ai perdu le soleil. Ah, il se couche. Eh ben, écoutez, ça tombe bien. J'ai tous mes outils, j'ai un abri pour la nuit, j'ai avec du charbon fait des torches. Est-ce que j'ai un minimum de cobble? Ouais. Comme ça, je peux me faire ça. Une épée, parce que je suis pas en peaceful, donc ça peut être utile. Allez, allez, hop. Voilà. Et donc, je me réfugie pour la nuit. Dans mon abri. J'ai qu'une seule laine, donc je peux pas faire de lit. Je vais être obligé de patienter toute la nuit à l'intérieur. Sur ce, je vous dis que c'est la fin de ce premier épisode de cette aventure suivie. Que j'ai nommé, si bien nommé, LOL's Venture. Bon, ne me demandez pas pourquoi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À vous les studios!